D'abord, il faut bien comprendre que la question, euh, enfin la perception du changement climatique, l'identification de, de, de cette question, etc., euh, est, est venue pendant, depuis ses origines euh, de tentatives de contrôler le climat. Hein, depuis la Deuxième Guerre mondiale, euh, ce fantasme de contrôler le climat euh, pour, dans, dans des buts bellicistes, évidemment, euh, bah, a été présent. Et il, euh, au moment où l'ordinateur, l'informatique prend un essor énorme, eh bien, elle, elle, cette construction euh, de, de, de programmes de, de prévision météorologique s'accompagne dès le début euh, d'une réflexion et de projets euh, de contrôler le climat. Donc voilà, ça c'est quelque chose de constitutif presque. Euh, ensuite, on peut dire que dans les années... Euh, 50 60 il y a eu un certain nombre c'est lié à la guerre du Vietnam c'est lié à d'autres épisodes politiques cette idée qu'on allait pouvoir déclencher des tempêtes contrôler les pluies, détourner des, des événements extrêmes par exemple en Floride il y a toujours eu en floride à l'université de floride et bien des, des centres de recherche très approfondis autour de ces questions. Le contrôle du climat. Bon, on sait que dans les années 70, il y a eu un renversement d'état de, 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 d'esprit, si on peut dire, où d'abord, ça marchait très mal. Ça marchait très mal, euh, il y avait eu un certain nombre de problèmes, c'est-à-dire qu'on avait effectivement contrôlé, dans le sud des États-Unis, euh, contrôlé, détourné légèrement certains, certains tornades, etc. Et donc, on avait d'une certaine façon sauvé euh, Certaines régions, enfin le, très localisées bien sûr, euh, mais du coup ça, les dégâts avaient été à, à côté euh, et donc avec des, des, des protestations, des problèmes d'assurance, euh, qui est responsable, etc. Donc vous imaginez quoi. Donc là on a commencé à se dire que c'était un peu compliqué quand même. Et puis au Vietnam évidemment, y a, ça, ça a choqué énormément quand on a su euh, qu'on avait utilisé euh, des, par exemple des, des, des microparticules qu'on qu'on qu qu asperge les territoires euh, pour euh, déclencher euh, des pluies ou faire avoir un certain nombre de, 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 de répercussions et là euh, bon l'état d'esprit a changé donc euh, euh, c'est de façon générale hein, une, une ouverture à l'environnement euh, donc euh, voilà et ça a été très très euh, les, les budgets ont été coupés Bon, mais il y a quand même un certain nombre de, de, de groupes, etc., de façon plus, euh, plus restreinte, localisée, euh, qui continuent. Et en particulier, par exemple, en Californie, il y a euh, tout un centre, si vous voulez, qui s'intéresse dans la lignée justement de la bombe H, enfin, de, de, de travaux euh, autour de la bombe H. Euh, de, de s'intéresser aux répercussions euh, de, de l'injection de particules dans la stratosphère pour essayer d'atténuer les effets de la radiation, des radiations solaires. Donc tout cela, euh, bah, ça continue, ça continue toujours. Puis il y a une autre euh, lignée de recherche qui concerne les océans. Et là, il y a eu effectivement non seulement des recherches, mais des petites expérimentations à grandeur. Euh, réelle nature. bon évidemment, c'est pas sur tous les océans, c'est sur des surfaces euh, limitées des océans. mais euh, l'idée que si on, on, on injectait, on, on déversait euh, des ferrugineux euh, dans les océans, ça accélérerait la croissance des planctons et donc l'absorption euh, du carbone dans les océans. Donc cette idée-là, mais évidemment il y a beaucoup d'effets négatifs, des contre-effets de cette affaire sur les océans, sur la vie marine, les espèces, etc. Et donc il y a tout de suite eu des, des, des protestations. Et donc dans les années 90 et début, début début 2000, eh bien en particulier il y a eu des associations qui se sont opposées à ces expérimentations. Et ça a été un débat en particulier en Angleterre. Donc on peut dire que ces tentatives restent localisées, mais qu'elles ne se sont jamais totalement euh, éteintes, si vous voulez. Et euh, avec l'échec... On peut dire très longtemps de la gouvernance climatique et le fait que ce processus est censé aboutir à une réduction des émissions pendant 20 ans c'est accompagné d'une explosion des émissions, c'est tout, tout le problème de la gouvernance du climat, et eh bien ça n'a pas évidemment désarmé ceux qui pensent qu'un jour on aura besoin d'un plan B, un jour ça sera absolument euh, indispensable et donc ils s'y préparent. Il s'y prépare. Et euh, on peut dire que depuis euh, 4-5 ans, et en particulier après l'échec de Copenhague, euh, eh bien, il y a maintenant euh, toute une communauté euh, de chercheurs scientifiques, euh, avec des antennes en Allemagne, en Angleterre, aux États-Unis, euh, sur les deux côtes d'ailleurs, euh, qui euh, des... parlent de géo-ingénierie. Donc là, il faut un petit peu euh, comment dire, différencier. Parce qu'il y a la géoingénierie, si on peut dire locale, qui consiste à aider, favoriser l'absorption du carbone. Et ça, évidemment, c'est a priori, ça peut être très intéressant. Puisqu'on sait que dans le bilan carbone, les forêts absorbent du carbone. Donc ça peut être ce qu'on appelle aujourd'hui le BEX. Le BEX, c'est cette idée que finalement, euh, on va euh, euh, faire pousser des arbres qui vont absorber du carbone et ensuite les couper euh, et, 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 et les brûler, mais on absorbe en, en capturant le carbone et Continuer. Et donc euh, vous avez des, des plans aujourd'hui, euh, de, des scénarios, si on peut dire, euh, de stabilisation de la température du globe, euh, mais qui présupposent des surfaces absolument gigantesques consacrées au BEX. Euh, bon, ce qui n'est pas, pas génial, hein, parce que vous, vous imaginez, d'abord l'Inde, par exemple sur l'Inde, vous avez des scénarios où la moitié du territoire de l'Inde, c'est du BEX. Alors comment on nourrit la population indienne Comment elle se développe alors qu'elle a une très grande densité et finalement peu de territoire euh, bah, Tout ça, c'est hors du scénario. Hein. C'est toujours cette idée que quand on poursuit un seul objectif et qu'on n'a pas de vue globale, et, et bien euh, voilà, on fait tout autour de cet objectif-là. Et donc ça, 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 voilà, ça continue. La COP21, bon, ça a été un accord général, et, mais cet accord général, il, il, il esquisse, si vous voulez, une stabilisation de la température, mais sans véritablement dégager les moyens très forts pour y arriver. Donc ça reste, ça reste bien sûr, c'est bottom-up, comme on dit, c'est-à-dire sur la base du volontariat. Donc on peut espérer que ceux qui ont signé vont peut-être euh, s'engager de, de plus en plus fermement. Mais euh, ce n'est pas sûr. c'est pas sûr. Et surtout qu'un certain nombre de pays interdisent totalement qu'on envisage qu'à la fin du XXe siècle, on soit dans l'après-fossile. C'est-à-dire qu'il n'y ait plus d'énergie fossile utilisée. Donc ça, ce n'est pas mentionné dans le texte de la COP21, etc. Donc, si vous voulez, c'est très ambigu. La géoingénierie n'est pas en tant que... Termes euh, utilisés dans le texte, par exemple, de l'accord de, de la COP21. Euh, ce qui est utilisé, c'est l'idée qu'il y aura des techniques pour aider, des technologies pour aider euh, à l'absorption du carbone. Donc, c'est ce que je vous disais, c'est-à-dire, c'est des techniques finalement euh, locales, locales, une ingénierie euh, et, et une te des technologies locales pour absorber le carbone là où il est émis. Euh, par exemple, dans les, dans les mines de charbon qui continuent à être utilisées et dont on espère qu'elles vont se réduire, mais pour le moment elles ne sont pas, on n'a pas décidé de les supprimer partout, etc. Et, dans, et pour les énergies fossiles, là où elles sont émises. Euh, et puis euh, euh, il y a des, ce que je considère comme un peu des fantasmes, c'est l'idée que l'on va pouvoir prendre le carbone dans l'air là où il est. C'est-à-dire là où il s'est déjà euh, globalisé, si on peut dire, les, les molécules de CO2 partout où elles sont. Et ça, il n'y a aucune technologie là-dessus. Tout ça, c'est de la blague. Et donc, c'est un peu, euh, il y a là quelque chose comme une, je dirais, pas une escroquerie, mais enfin une fiction politique qui a des effets de tromper les gens. C'est-à-dire de dire pratiquement, par exemple dans le dans l'accord, il y a cette formulation que à l'horizon du la Fin du 21e siècle, il y aura un équilibre entre les émissions anthropiques et les absorptions anthropiques. C'est quoi les absorptions anthropiques Ça, ça n'existe, je vous dis, que très très marginalement. Ça peut, on peut considérer que ça sera, je ne sais pas, à 2 ou 3 dans, dans certains endroits, on réussira là où c'est émis à absorber énormément le carbone. Mais par rapport à ce qu'on connaît de la situation actuelle, c'est-à-dire par ce, les sources d'émissions, les transports, euh, les industries, euh, les, etc. Eh bien, euh, voilà, on ne sait pas absorber le carbone. Hein, on, donc, c'est quoi c est, c est, Donc, cette idée de, de, de parler de ce truc, cette formulation très alambiquée, permet de faire l'économie de dire il faudra qu'on se passe des énergies fossiles et comment on arrive à cette étape-là Parce que sans doute que l'accord politique des des 198 pays n'était pas suffisant pour mettre une formulation comme ça donc bon, on peut espérer que il y aura un renforcement des convictions mais ça ne se fera pas spontanément ça ne pourra se faire qu'avec la vigilance des sociétés civiles des, des, des ONG des, des, etc plus l'action de certains acteurs extrêmement déterminés certains États plus, plus volontaristes et plus clairvoyants que d'autres etc Ce que je vous ai dit, c'est qu'il fallait distinguer de façon importante euh, la géo-ingénierie globale, c'est-à-dire, c'est quoi la géo-ingénierie globale C'est l'idée qui est la seule qui, d'une certaine façon, peut être considérée comme euh, efficace à court terme. Elle a beaucoup d'effets ferreurs que, que je peux rappeler, mais si vous laissez injecter des particules à l'échelle stratosphérique, c'est-à-dire dans la très haute atmosphère, euh, par des, des avions, euh, des fusées, euh, vraiment des engins de propulsion qui permettent d'aller très haut et qui injecteraient de façon continue, continue des particules de soufre. Euh, et ça, ça ferait une sorte de, de couche, enfin, dans l'atmosphère, qui permettrait de filtrer. Là, les radiations solaires. Mais ce que les climatologues ont montré, c'est que dès qu'on s'arrête, dès qu'on s'arrête de faire ça, et euh, eh bien euh, de, durablement, et eh bien toute la l'atténuation de température, si on peut dire, que l'on a euh, pu gagner, et eh bien elle, elle se rattrape et elle se rattrape très vite. Et donc ça peut être encore plus dangereux, c'est-à-dire ce qu'on euh, voilà, on s'arrête. Donc, donc commencer ça, c'est se ce condamner pratiquement à le faire de toute éternité. Donc, vous imaginez les problèmes éthiques que l'on laisse aux générations futures, qui est de sans, sans, sans fourné dans cette, ce type de solution pour, pour toujours, si on peut dire. Et donc, bon, là, il y a très peu, il n'y a aucun pays qui veut ça. Pour le moment, il n'y a aucun pays qui vaut ça. Et je ne peux pas imaginer, euh, ayant analysé de façon très précise l'ensemble des contradictions, euh, des, des, de ce qui caractérise cette arène de la gouvernance mondiale du climat, que l'on puisse arriver aujourd'hui à un consensus sur ce sujet. Donc je, je crois que c'est impossible. Euh, donc, d'où on est rabattu sur l'idée qui peut se lancer dans cette, ce genre de technologie. Et ça, là par contre, il y a de quoi un peu s'inquiéter. Je ne dis pas que c'est quelque chose qui est à l'horizon très proche, mais il y a de quoi s'inquiéter. Parce qu'il y a un certain nombre de gens qui, se, qui peuvent se fantasmer comme des sauveteurs de l'humanité, des sauveteurs de la planète, qui sont, on peut imaginer seulement que ce soit des grands entrepreneurs industriels, de multinationales, ou qui fabriquent des technologies qui sont intéressées à ce projet c'est-à-dire eh bien par exemple je dis ça aujourd'hui ce sont ceux qui subventionnent la recherche dans ce domaine, mais je ne crois pas qu'à l'heure actuelle il y ait de personnalités qui soient déjà prêtes à, à ce genre de projet fantasmatique dont que je vais évoquer, c'est-à-dire de commencer cette idée de balancer ces particules des fabricants de souffle, de ceux qui font ces, ces, ces technologies de propulsion de, 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 ces, de ces particules, parce qu'il faut non seulement les fabriquer, mais enfin les, les stocker, les fabriquer, etc., mais aussi les envoyer. Bon, et vous imaginez en plus toutes les répercussions euh, du point de vue de la santé que ça, ça provoque. Mais voilà, mais on peut imaginer qu'il y ait des petits groupes de gens un peu, euh, je dirais, euh, des sectes, des illuminés, etc., mais qui en même temps ont beaucoup de pouvoir économique, et on sait que dans le monde actuel, ce n'est pas du tout contradictoire, et qui se lancent un peu seuls dans ce projet. Donc voilà, euh, ça c'est quelque chose qui est un, un risque. Qui est, à, qui, sera, qui est à surveiller, qui est à contrôler, etc. Il n'est pas véritablement encore à l'ordre du jour. Voilà, ça c'est ce qui est le plus dangereux. Maintenant, euh, il, y a, il y a cette idée, et ça c'est beaucoup beaucoup plus répandu, que les technologies vont nous aider à résoudre le problème climatique massivement sans que d'autres euh, questions soient posées. C'est-à-dire transformation d'un certain nombre de mode de production et de consommation actuel, et aussi de mode de vie, arrêt de certains gaspillages, etc. etc. Euh, utilisation des sols plus économes, qui ne provoquent pas euh, tout cela, enfin, et, et, enfin, de, du point de vue des, des émissions de CO2, mais aussi de méthane, etc. Donc, toutes ces, toutes ces questions qui sont euh, les politiques climatiques, ce qu'on exige aujourd'hui des États pour qu'ils fassent des politiques climatiques efficaces. Eh bien euh, euh, très souvent euh, c'est comment dire c'est pollué on utilise ce mot, par euh, par l'idée que bon on va avoir des technologies un jour qui nous permettront de résoudre ça sans trop se fatiguer et, et, et en continuant exactement de vivre comme on vit avec les mêmes gaspillages les mêmes euh, pollutions les mêmes etc et ça c'est quelque chose de très euh, une attitude qui est très répandue, qui est très forte et qui est, je crois, quelque chose que, 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 que l'Occident connaît depuis des dizaines et des dizaines d'années. Cette, cette idée que la technologie va répondre aux problèmes, quels qu'ils soient, que ce soit pour les problèmes euh, de santé planétaire, d'alimentation euh, de, de, et aujourd'hui de climat. On pourrait par exemple dire des, des gens du type, je ne dis pas lui-même, Bill Gates ou d'autres, qui sont des gens qui ont un pouvoir économique extraordinaire et qui seraient dans, cette, dans ce projet-là, euh, avec cette idée de, de à la limite de philanthropie, mais perverse, de sauver la planète au-delà de ce que veulent les gens. Euh, donc c'est un exemple d'un profil, hein. je, je ne parle pas de lui précisément. Et aujourd'hui, non, je, je n'ai pas vraiment d'exemple, je ne peux pas citer des gens. Mais d'une certaine façon, on peut dire que les, les, les entreprises les plus fortes sur le plan économique mondial, euh, qui viennent en général des technologies numériques, aujourd'hui, hein, Apple, Google, etc., euh, les, les, les dirigeants de ces entreprises ou les entrepreneurs sont plutôt dans un projet, euh, disons, euh, euh, je ne dirais pas écologique, ce, ce serait beaucoup trop fort, mais qui ne s'apparente pas à cela. Euh, à cette manipulation, mais, euh, mais, ils sont... mais par contre, ils ont cette idée que certaines technologies, bien sûr les leurs, hein, avant tout, euh, sont des facteurs du progrès et de l'émancipation générale euh, de, de l'humanité. Et c'est ça qui va nous sauver des, des inégalités, des difficultés, etc. Alors, je crois qu'effectivement, aujourd'hui, par exemple, euh, mais ça, je le dis euh, de façon générale dans d'autres contextes aussi, Penser à la fois la transition écologique et la révolution numérique ensemble, c'est quelque chose que peu de gens font euh, dans les milieux intellectuels et de recherche, parce que c'est souvent des groupes très différents qui pensent ces choses-là. Des gens pensent bon les, le numérique, euh, toutes ces possibilités peut-être en liaison avec les questions de l'emploi ou, ou, ou du chômage, enfin etc. Et des... Mais pas suffisamment. Euh, en, en relation avec la question de la transition énergétique et écologique. Or, c'est important parce que les deux choses sont... L'une est inéluctable, la, la, le numérique est en train de se développer, et voilà, mais peut-il avoir euh, des... comment peut-il interagir positivement ça, Il ne peut pas sauver de la transition écologique qui a besoin de politique explicite, de vision absolument volontariste et explicite, mais qui peut utiliser certaines possibilités qu'offre le numérique. Alors comment, etc. Je trouve qu'on est très très peu prêts, du point de vue des idées, des recherches, dans cette direction. Travailler... Oh, si vous voulez, on ne peut pas, alors là, je, vraiment, je, je crois que c'est quelque chose d'important à dire, y compris à mes amis écologistes, et, etc., on ne peut pas penser la transition écologique euh, et, et énergétique de façon isolée des autres problèmes du monde. Parce que euh, je, je constate, y compris après la COP21, qu'aujourd'hui, la question du climat et de la transition écologique ne peut pas se penser indépendamment des autres défis du monde. Euh, bon, il y a la question du numérique et de la question de l'emploi et de la redistribution du travail à l'échelle mondiale entre le nord, le sud etc. et puis aussi à la limite des questions de sécurité. On voit bien que dès qu'il y a des problèmes de sécurité qui se passent dans le monde, pourquoi aujourd'hui l'Afrique est, est, est déchirée par aussi ces questions de sécurité C'est pas simplement le Moyen-Orient, euh, c'est parce que aussi il y a beaucoup de problèmes en Afrique qui n'ont pas été réglés. Donc il y a une comment dire une, une globalisation des problèmes et la C'est paradoxal, mais la question climatique a été trop enfermée dans, une, dans un, un silo. Et on a pensé. La, 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 voilà. Or, tous les jours, on prend des, 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 des décisions qui ont des répercussions sur la question climatique, que ce soit euh, bon, des questions de commerce, de, etc. Mais aussi d'autres questions sont en interaction avec elles. Elles-mêmes agissent, etc. Le climat euh, interagit sur la situation, euh, par exemple, de l'Afrique, de l'alimentation, etc. Donc, et ça. En particulier, en ce qui concerne les technologies, puisqu'on nous revenons à la question de la géo-ingénierie, eh bien la géo-ingénierie, c'est une technologie, enfin c'est un, une vision technologique exacerbée du problème, exclusive, de penser qu'on va résoudre le problème de façon exclusive par des technologies, ce qui est soit très dangereux, soit impossible. Euh, voilà. Euh, mais en même temps, je, je ne nie pas qu'il y ait des possibilités euh, avec la révolution numérique. Mais, mais ce n'est pas, pas la même chose que évidemment, la, la question de géo cest c'est-à-dire manipuler le climat euh, et, 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 et décider de le faire euh, pour des siècles à venir. C'est très difficile de discuter avec ces, ces personnes euh, et parce qu'elles n'acceptent pas l'idée que il bah, y a quand même des résultats scientifiques qu'on connaît qui sont établis et les traînées que les avions euh, laissent dans l'atmosphère, euh, voilà, ce sont des, des traînées dont on connaît l'origine, hein, qui sont liées euh, aux vapeurs d'eau et de gaz qui sont qui sont euh, laissées dans la propulsion des, des, des des, des avions et des véhicules aériens. Et, et voilà. Et donc, cette idée que ce n'est pas euh, déjà de la géo-ingénierie, euh, c'est quelque chose qui est, qui, qui, est, qui est établi, sur lequel tous les climatologues euh, sont, sont, sont absolument d'accord et, et, et convaincus. Et donc, euh, essayer de, de, de leur transmettre ça, euh, bah, c'est quelque chose qui très souvent ils ne veulent pas entendre parce qu'ils sont dans leur dans leur euh, leur idée, euh, ils sont ils ont un, un peu comme des sectes, ils, ils fonctionnent avec des idées bien arrêtées, ils veulent rien entendre, ils ont l'impression qu'un complot est contre eux et que tout le monde euh, euh, leur en veut quoi ou, ou ne veut pas les entendre. Bon ben, voilà, c'est je, je crois qu'on il, il faut il faut euh, la communauté scientifique dans son ensemble, euh, il y a évidemment des on peut sur certains points et de façon très importante faire confiance euh, quand même à leur démonstration euh, sur ce point, comme, de, comme euh, la question climatique par exemple euh, a été aussi euh, quand même établie quand très, très, euh, l'immense majorité de la Communauté scientifique des climatologues a établi l'effet anthropique, a expérimenté à l'aide de modèles et de simulations euh, les projections euh, de, de, de température et qu'aujourd'hui on est en train d'éprouver toutes ces démonstrations parce que le changement climatique ce n'est plus simplement euh, des, des choses à long terme, c'est des choses que, que l'on constate tout de suite et que l'on peut observer. Donc voilà.